Hello, it's me, Super Mario, with so many grand. Mamma mia, he's number one. Bonjour à tous, c'est Dikran, vraiment très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va jouer en exclusivité à un jeu qui va sortir le 1er novembre. Ça s'appelle Atelier Risa Ever Darkness and the Secret Hideout. On lance le jeu, ça y est, c'est parti. Et j'ai la chance d'avoir un invité avec moi aujourd'hui, c'est Buffa Claude. Salut Buffa Claude. Salut Dikran, merci de m'accueillir. Eh ben c'est tout le plaisir, et pour moi le plaisir est partagé même, j'ai envie de dire. Alors pourquoi je t'ai invité pour cette émission? Parce que toi t'es un vrai fan hein, de JRPG, t'aimes beaucoup les RPG, c'est un peu ton truc hein, quand même. Ah oui oui, c'est bien mon truc, je kiffe faire justement les Dragon Quest, Final Fantasy, les bons vieux RPG de l'époque. Et voilà, on ne se rachète pas, donc tu m'as invité à ce test, je n'ai pas pu refuser, on va voir ce que ça vaut. Atelier Risa, est-ce que tu connais ça déjà, d'ores et déjà, est-ce que ça te disait quelque chose ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Alors, je découvre ça ce soir, même le nom à rallonge. Alors justement, à propos du nom, Atelier Risa Ever Darkness and the Secret Hideout, comment est-ce que tu le traduirais? Donc Atelier Risa. Atelier Risa, bah, l'atelier de Risa. De Risa, exactement. Ever Darkness. Ever Darkness, ouf. Pour toujours l'obscurité. L'obscurité. And the secret hideout. Et le secret dévoilé? Hideout? C'est la cache hideout. Non, non, c'est pas la planque. And the secret hideout, en tout cas. Le secret caché. Si vous connaissez Google Traduction, si vous avez Google Traduction, n'hésitez pas mais à y aller. Mais nous pouvons l'avoir. Je vais aller regarder ça de alors, suite. Je sais pas, moi j'ai pas encore. Je connais pas moi. Je connais pas du tout Google Traduction, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas si on va pouvoir l'utiliser tout simplement. Moi j'utilise plus un autre programme en peu dérivé. Pour traduire? Exactement, une petite application sympa, DeepL. DeepL? Ouais, vous verrez, c'est assez simple. Ok, alors Secret Hideout, le secret, moi je dirais que c'est le secret dévoilé. On va voir, en tout cas, bah voilà, on voit les premières images de ce jeu, la cinématique d'introduction. Atelier Risa, on va voir à quelle sauce on va être mangé. À un moment donné, je vous donnerai la manette, hein, cher Buffa Claude. Et Buffa Claude, ça me fait penser un petit peu à Fox McCloud. Il y a une petite inspiration. Non, justement, pensez plus RPG, justement, mon cher ami Dikran. Ça vient plus, le cloud vient plus en fait de Final Fantasy. De cloud, ok. Hideout caché. Hideout caché, donc. Et le secret caché. Voilà. Donc voilà, Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. J'ai invité mon ami Buffa Claude aujourd'hui, puisque voilà, non seulement il aime beaucoup les RPG, les JRPG, et puis surtout, bah, c'est un grand fan de Nintendo. Je crois que vous avez toutes les consoles, hein. À part les Game Boy malheureusement, mais en tout cas en console de salon, oui, je les ai toutes, à part les, bien sûr la fameuse... Le Virtual Boy. Le Virtual Boy qui était très très dur à avoir dans nos contrées.
Alors, mais sinon, les choses sont toutes eues en main. Alors, ça se passe dans un village appelé, j'ai pas eu le nom, elle vit sa vie ordinaire. Quelque chose d'intéressant va pouvoir arriver. Ouais, donc, niveau graphisme, on reste quand même sur un jeu, on va dire, au niveau de la Switch. Ah bah, ça reste la Switch, hein. Oui, mais... C'était Resaline. En tout cas, au niveau du character design, c'est du très, 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 très... comment dire, bankable. Bankable, ok. On va prendre le terme. Non, ça reste, pour l'instant, ça reste correct, effectivement, au niveau des graphismes. Évidemment, ça reste la Switch, hein, c'est pas une PS9, hein. et donc voilà, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Moi, c'est pas les jeux que je préfère, hein. Je l'avoue immédiatement, les RPG ou les JRPG, c'est pas les jeux que je préfère, mais aujourd'hui, étant donné qu'on a eu la chance de le tester en exclusivité, Atelier Ryza, et ben c'est parti, on y va. En tout cas, elle est intéressante, Ryza, on va dire, mm-hmm. On va dire ça comme ça. Non, mais le graphisme est beau, est puré, franchement, il est agréable. Alors j'appuie, on va voir si on peut passer les cinématiques. Voilà, skip, on va skipper. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet parce que l'histoire avec les voix en japonais et les textes en anglais. Peut-être qu'il y a la possibilité de mettre en français. Voilà, alors ça y est, c'est parti. Je contrôle donc Ryza. Donc on y va, on descend, il y a des champignons, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre des champignons? Non, ça a l'air plus d'être... La déco. Exactement. Vous avez envie de parler avec elle? Non, on y va. Avec elle, vous avez envie de parler aussi ou pas? Essayons, mais non, rien, impossible. Aucune interaction avec les personnages. En tout cas, on peut sauter. Oui. Et sur la carte, est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, il faut aller dans cette direction. Alors, elle vit une vie ordinaire dans l'île Kurken, jour après jour, jusqu'au jour où elle décide finalement... De go ahead, donc d'avancer, mm-hmm. Et avec ses plans pour une aventure avec ses amis enfants, Lent et Tao. C'était le même jour où elle a entendu la news qu'un important marchand va arriver depuis la terre ferme, et dans l'idée d'aller vers d'autres contrées, Ryza. Qui viendra du continent principal. Ouais, c'est ça. Exact. Du continent. Ouais. De Otherhead. Donc elle va au port Kurken, du côté est de l'île. Alors est-ce que là on est en train de se diriger du côté est? Oui, ça a l'air en tout cas au niveau de la carte en bas. Donc alors on va au district Boden. Un petit écran de chargement. La musique est assez féerique hein, pour l'instant, effectivement. Mm-hmm. Voilà, on dirait qu'on est dans un village moyenâgeux, avec le moulin à vent. Mm-hmm. Donc, coconnet, ça veut dire elle va aller sur le bateau. Bah, c'est écrit Ride the Boat. Mm. Donc, je parle pas très très bien japonais, mais en tout cas, je sais traduire l'anglais. Ouais, mais ça, niveau caractère design, en tout cas, sur plan-là, avec les trois persos, ça me fait quand même penser à des Final Fantasy, ou plutôt okay. Final Fantasy Tactique. Ok. Tactics. Exactement. Tactics, il faut être précis. Alors, on continue. Bon, en fait, moi, ce qui... Alors, franchement, les images, elles sont très très belles. Les personnages sont très beaux, le décor du village est très beau aussi. Moi, ce qui me plaît un petit peu moins, toujours dans ce genre de jeu, c'est les textes. Oui. Parce qu'en fait, j'ai pas la patience de lire les textes. Alors, c'est vrai que j'appuie, que je lis peut-être pas forcément. Je dois peut-être avouer que je ne sais pas lire. C'est peut-être le moment de l'avouer. Non, je peux comprendre. Suivant certains jeux, c'est vrai qu'on a la gâchette facile, on va dire. Oui,
Bon, après, c'est clair de se faire ce genre de jeu après un shoot 'em up. Ça risque d'être un peu difficile de suivre l'histoire. Mais généralement, dans ce genre de jeu, C'est l'histoire qui est importante, en fait. Et effectivement, il faut avoir le temps et plonger. Et en fait, plus on lit, plus on plonge dans l'histoire aussi, finalement. Exact. Alors, on se dirige à l'est. Sauf que j'ai pas l'impression que c'est là où ça nous indique. Il faudrait pas aller dans la direction au nord. Là où il y a le bleu. La petite diode verte, là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression aussi. Sauf que la diode verte, elle est toujours au même endroit et elle se déplace pas. La diode verte, elle indique le nord, me trompe. Non, le nord, il est à gauche. Ouais, mais elle dit va au nord. Si vous appuyez start ou le bouton des quêtes. Donc là, il raconte, là, on the way, Donc ils essaient d'aller au port, ils changent leur plan et vont en direction de du pont secret vers la maison de Ryza en espérant qu'ils vont trouver. Donc c'est bien là-bas où on doit aller normalement. Ouais. Voilà, donc ça a l'air d'être par là. Voilà, je pense que ça va être par là. Ouais. Voilà, une nouvelle découverte. Voilà, c'est juste, on arrive maintenant à ce point dans lequel on nous demande d'aller. Je vous rappelle donc que ce jeu Atelier Ryza va sortir le 1er novembre. Là, on le découvre en exclusivité totale, on a vraiment cette chance-là. Merci. Eh oui. Voilà, donc ils sont arrivés sur le pont, sur le débarcadère, on va dire. Avec un petit rafiot de bois, un petit bateau. Hé hé, qu'est-ce que tu penses de ce super port secret? On l'obtient même avec un bateau. Bon, c'est pas faux. Mais c'est plutôt rundown. Rundown. Je sais pas comment vous le traduiriez, vous, de Facloud. J'essaie de voir justement. Très. Rundown. En tout cas, c'est rundown. C'est rundown. Parce que. C'est ce qu'il faut. I guess that's why we didn't come here first. Je pense pas que c'est pour ça qu'on est venu ici en premier lieu. Est-ce que ce bateau va réussir à nous amener de l'autre côté? On a l'impression qu'il pourrait couler à n'importe quelle seconde. Mais en fait, tu sais que ce lieu n'est pas vraiment secret. Plusieurs autres pêcheurs viennent souvent ici. Run down, ça veut dire descendre en courant. Merci Buffacloud. Et c'est pour ça que je pense que le vieux bateau est toujours là. Je vous écoute, oui? Non, rien. Le vieux bateau. Le vieux bateau, ouais. Ah. Bah la vieille barque qu'on a vue, quoi. Vous deux, vous trouvez toujours des raisons pour vous plaindre à propos de cette aventure. Vous devez juste commit to it. Vous devez juste vous y faire, quoi. Bon, t'as pas faux, je présume. Mais j'ai pas vraiment envie d'aller dans une aventure en premier lieu. Ouais. Première place. Ouais, a priori, quoi. Ouais. La première étape de notre aventure est d'atteindre le continent, exactement. Then we just got to find our... Comme ça, on pourra trouver notre chemin. On va trouver notre chemin. On va suivre les routes aussi loin qu'elles nous y amènent. Et ensuite, on va aller à l'ouest, dans cette région où tout le monde a tellement peur d'y aller. Mais attends, cet endroit est totalement hors limite, c'est très dangereux et on va se mettre en danger, on peut pas y aller. Mais de quoi parles-tu? Ce genre de lieu, c'est ça l'aventure.
Imagine que l'on arrive à une tour étincelante après les montagnes du Nord. Qu'est-ce que ce serait pas génial? Ah, lui, il a essayé de parler, mais il a été ébloui par la beauté de Raisa. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu replacer. S'il a fait un. Voilà. Il s'est pris quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, Lent? Parce qu'il s'appelle Lent. Bon, je vais dans cette aventure et je vais montrer à tout le monde que je suis très fort. C'est mon rêve. Est-ce que tu vas vraiment y aller, Lent? Donc je pense que je n'ai pas le choix. Ok, donc on y va. C'est parti pour la grande aventure. Aujourd'hui est une nouvelle journée et je pense qu'on va laisser cette île pour partir à la recherche de quelque chose de vraiment extraordinaire. Bon, je traduis en même temps. Oui. Et comme ça, au moins, on peut suivre l'histoire. C'est ce qu'on a dit, il fallait suivre un petit peu l'histoire. Exactement, parce qu'on a avancé un peu trop vite les deux premières. Là, ouais, c'est qu'on sentait que c'était le moment important après le petit apprentissage de jeu. C'est ça. Moi, j'ai un peu la gâchette facile, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, maintenant, normalement, on doit attaquer les quêtes principales. Vu qu'on est sur. Sur un RPG. Non, sur le continent. Sur le continent. Non, on est arrivé sur le continent là, pas encore. Ils ont pris le bateau. Ils ont pris le bateau. Revenez en arrière. Ah, je peux pas revenir en arrière. Non. Si on pouvait. J'ai pas capté qu'ils avaient quitté. Mais ils ont pris un bateau, en tout cas. Ouais, non, effectivement. Alors là, ils sont dans la forêt. C'est la forêt de Pixie. C'est probablement un bon choix pour un début d'aventure. Est-ce qu'on y va sérieusement? Oui, on y va sérieusement. Mais c'est bon. Tu ne sais jamais si tant que t'as pas essayé. Allez, viens, c'est parti pour notre première aventure. Non, en tout cas, là où je suis vraiment épaté, c'est que le jeu est vraiment très très beau. Oui, non, graphiquement. Pour la Switch, c'est très beau, quoi. Bah, c'est comme un dessin animé presque. C'est ça. C'est épuré, en tout cas, pas de gros bugs visuels. A priori, non. Voilà, on arrive au premier point. Point de contact, point de rendez-vous. Petit écran de chargement avec des champignons géants. Un petit raton laveur. Oui. Alors, normalement, ça sent le premier fight. Le premier combat. Ah ouais ? Tout de suite d'entrée de jeu. C'est pas vraiment qu'on y est avec une petite fée là, avec une espèce de cape qui en fait ce sont ses cheveux, hein, tout simplement. L'esprit de la nature, sûrement. Alors c'est ça la forêt Pixie. Même si c'est prêt, je n'avais jamais entendu quelqu'un venir ici. Ne sois pas, n'aie pas peur. C'est tout près du port. Je suis sûr que les monstres ne vont pas être trop difficiles. Ah. Ouais, pour se mettre en jambes, je pense que ça va aller au début. Bah, peut-être le premier combat, comme je l'ai annoncé. Ouais, ah oui, effectivement. Vous l'avez subodoré, cher Buffa Claude. Subodoré. Oui. Mot contre triple. Alors, si c'est cela que l'on doit faire pour notre première aventure, eh bien, on va jamais en voir la fin. On est probablement les seules personnes de tout le village qui nous mettons en danger comme cela. Mais c'est ça, hein, l'aventure, c'est cela, what's adventure all about. Donc en gros, c'est ça l'aventure, c'est ce qu'elle n'arrête pas de nous répéter depuis le début. Hein, exact. Mais oui, allez, venez avec moi, mais c'est ça l'aventure, faut venir. Ok, enough chit chat, donc assez parlé, on y va. Allez, il est content, Lent aussi, il dit yeah. Ah tiens, regardez-moi ce personnage. Ah, ça me fait penser à Dragon Quest. Exactement. C'est ce que vous allez dire, je suis sûr. Bah, parce que vous avez vu la petite statuette. La petite la bulle, en fait, la goutte d'eau. La goutte d'eau, oui, le Dragon Quest. Eh oui.
On va utiliser cela pour notre aventure. Et lui, il va utiliser son épée. Et voilà, bah, c'est exactement ça en fait, finalement. C'est nous préparer, mais c'est une copie conforme de Dragon Quest, en tout cas le perse, le méchant. À part qu'il, c'est pas une goutte, c'est une bulle. Écrasée c'est par ça, terre. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Il y a de l'inspiration en tout cas, hein, finalement. Oui. Dans la copie. Ok, alors le temps ne diminue pas, donc c'est en temps réel. Alors, des scènes de combat. En fait, il y a le temps sur la gauche et le temps ne s'arrête pas même quand on fait la décision, même quand on choisit, donc faut y aller. Là, tu t'es. Ouais. Ouf, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Ah ouais. Mais ça c'est assimiler. Oui, mais ça c'est normal dans les RPG. OK. Et voilà, on voit le temps qui descend à chaque fois. Bah le temps c'est le pour que toi tu puisses lancer des attaques. Exactement, et puis après c'est lui quoi. Ouais. Donc en fait, toi, tu diriges que ton perso, c'est toi qui choisis pour ton perso, mais pas pour je les crois autres. Que je peux switcher entre les trois personnages, en fait. Ok. J'ai pas bien suivi. J'étais. On va voir. On va directement voir. Hein. Ma tête était ailleurs. Et donc non seulement vous êtes passionné de jeux vidéo, particulièrement les jeux Nintendo, hein, comme on l'a dit, et puis en plus vous aimez la nature, en fait, hein, d'après ce que j'ai compris, cher Buffa Claude. Oui, j'aime bien. J'ai de la chance, j'ai un beau taux d'ensoleillement, ce qui est parfait pour faire pousser des tomates. Les fruits, hein, c'est bien, les fruits, les légumes, ça c'est votre truc aussi. Hein. Exactement, j'aime bien cuisiner. Les champignons, comme on en voit là dans le jeu. Ah, je suis pas sûr qu'ils soient très bons ceux-là. Ah, si c'est rouge, c'est vrai que c'est bizarre. Alors, où on va, on doit aller au nord. Hein. Ouais, il faudrait prendre le chemin direct à ta droite. À droite. Et là, tout droit. À droite. Et voilà, le chemin, on l'a trouvé. Ok, donc on arrive dans une clairière. On va prendre le petit pont de bois avec le tronc. Le petit tronc. Le petit tronc. Là, on a attention, vu notre ami là, il y a quelques petites bêtes. C'est des ennemis. Ah ouais, bon, on va se les faire, hein. Alors là, tu peux pas pour l'instant. Là, tu remets attaque quand c'est à ton tour. Alors ouais, je crois que je crois qu'il faut que Ryza. Hein. Il faut que quand c'est à ton tour, tu attendes. Et là, tu pourras choisir. Là, t'as piqué. T'auras dû attendre et choisir hein, parce que tu peux remplir l'énergie. Parce que ton perso ton principal est bientôt mort, donc il faudrait lui remettre de l'énergie. Donc t'appuies sur. Tac, non, moi bon, c'est bon, tu. Mais je pense qu'il y a des sorts pour redonner de l'énergie. Vous... Alors on y retourne, cette fois-ci j'ai donné la manette à Buffa Claude qui est notre invité aujourd'hui. Et c'est lui qui s'empare de la manette. Il va. Donc voilà, tac. Chaque fois que vous rentrez en contact avec un ennemi. Ça déclenche la bataille. Ok, donc skills. Vous avez les Summoning Stars. Et donc avec le X, vous développez le skill. Avec le B, vous pouvez bouger. Et avec le A, c'est okay. L'attaque. Là. Je suis mort, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Alors vous êtes une femme, donc j'imagine que vous êtes morte plutôt. Oui. Non mais mon perso est mort, pardon. Ouais c'est ça, et on va reprendre, hein. On reprend là où on s'en était arrêté. Mais j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé là actuellement. Alors on va essayer de comprendre les boutons, tac tac, ok. Alors HP, il faut lui redonner de l'énergie. Est-ce qu'on a quelque chose pour lui redonner de l'énergie? Tac, bah. Alors qu'est-il dans le panier? Bah pour l'instant il n'y a pas grand chose. Peut-être si vous appuyez sur R pour passer à l'autre partie oui. Du panier.
Mais non, pour l'instant, il n'y a rien. Rien. Tac, tac. Il n'y a rien du tout. Merde. Pardon. Que de l'équipement, il n'y a pas de technique qu'on peut utiliser. Alors là, la technique que vous pouviez utiliser, c'était le Summoning Star à un moment donné. Ouais. Quand vous appuyez sur le bouton moins. Mais là, ouais, je. Tac, tac. Le Z, c'est le. Celui qui est dessous. Alors ZL ouais. Ou ZR. Ouais, c'est pour zapper, mais. C'est dessous, ce sont les gâchettes, effectivement. Ouais. Mais par contre, rien pour. Après, peut-être, vu que j'ai l'écran qui est coupé. Alors, select avec les boutons de gauche, show manuel avec le bouton moins, mémo en appuyant sur le plus, B pour revenir et A pour confirmer. Ok. Et puis basket. Alors, basket pour sélectionner, c'est A. Okay. Le mémo, c'est peut-être en appuyant sur le bouton plus. Sur la manette de droite, tout en haut, ouais, effectivement. Voilà. Et donc là, on a. Donc il faut aller encore plus loin. Ouais, dans la forêt. Dans la forêt. Donc il faut s'enfoncer dans la forêt. Mais justement, j'essayais de trouver des. De l'énergie parce que notre personnage principal n'a plus que 1 de HP. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Tac. Donc là, c'est un cercle de fleurs. On a la petite fée qui est là. Voilà, donc il va falloir les attaquer elle aussi. C'était ton ennemi. Exactement. Alors, si vous appuyez sur L, vous pouvez peut-être changer de personnage. Sur le bouton L. Non, c'était pour l'énergie, mais. C'est pour changer, oui. Mais par contre, c'est l'énergie qui pose problème. Il faut trouver comment. Skills. Alors, le livre noir, le Dark Book. Voilà, donc je pense qu'en fait, ça doit être. Ok, plus qu'un ennemi à abattre. Et là, c'est qu'est-ce que nous voulons. Mais toujours pas de magie ou de quelque chose pour redonner de l'énergie, non? En tout cas, là voilà, là l'énergie. Non, alors là c'est le niveau qui augmente, mais exact. Peut-être qu'il va récupérer ses points d'énergie sur le prochain combat. Non, ça n'a pas l'air. Il y a toujours à 1. Tac, tac, sauter. J'essaye de comprendre. Peut-être qu'on va avoir plus tard la possibilité de récupérer un petit peu d'énergie. Ah, normalement, on devrait quand même avoir quelque chose, des potions ou ouais, mais là, magie pour redonner un peu d'énergie. Ouais, là, pour l'instant, c'est vide. Dans le panier, il est vide. Exactement. C'est surtout, c'est que notre HP, notre PM, c'est-à-dire notre magie, est à zéro aussi. Donc ça, on peut pas les détruire. Donc, allons sur le prochain point de contact. Voilà. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les temps de chargement sont assez courts, hein, finalement. Exactement. C'est pas excessivement long comme sur certains jeux. Non. Je pensais pas trouver une grande clairière comme celle-ci. Mm-hmm. C'est le royaume Clint. Les ruines du royaume Clint. Il y en a également dans leur village. Mm-hmm. Et là, on a l'impression que. Les seules choses qui restent, c'est exact. Ça n'a pas l'air très grand. Je me demande si. C'est pas une sorte de. Outpost de la forêt. Peut-être la fin de la forêt ou le début de la forêt. Outpost. Qui a? Ça, j'ai réussi à le traduire. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parles-tu? Je suis juste là.
Outpost, ça voudrait dire donc je ne vois rien du tout. Avant-poste. L'avant-poste de la forêt. Il semble que ce soit que ça venait plus loin dans la forêt, plus profond dans la forêt. Allez, on y va à Tao. Donc c'est parti, il s'enfonce maintenant dans la forêt. C'est exactement ce qu'on voulait, s'enfoncer dans la forêt. Alors, il y a besoin de la deuxième manette. Donc là, ok, nous sommes dans le village où... Normalement, quand on touche, on rentre, donc là, c'est-à-dire qu'on peut pas rentrer, je pense. Hein. Ouais. Mais j'essaye quand même, parce que je suis borné. Il faut toujours tout essayer. C'est pas qu'il faut toujours essayer, mais des fois, certains jeux vidéo à l'époque étaient très sensibles. On était obligé d'être en face de l'objet pour pouvoir le récupérer ou rentrer dans une porte. Tac, tac. Okay. Donc, on est dans le village, ils ont dit qu'ils voulaient s'enfoncer un peu plus dans la forêt. J'essaye juste de voir s'il y a une possibilité de rentrer. Alors, donc effectivement, ça se passe au nord, hein, donc dans cette direction, donc direction les ruines. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas grand chose. Donc normalement, on doit passer juste là à gauche. Juste ici. Et étant donné que c'est donc un JRPG, un jeu de rôle japonais, et ben on a décidé de mettre en arrière-plan ici, voilà quelques images du Japon. Exactement. À moins que ce soit la Chine. Non, c'est le Japon, c'est écrit tout en bas. Donc là, à côté du 2018. Ouais. Donc c'était le Japon 2018, le 4, non le 3, le 4e mois c'est avril. 4e mois avril. Ouais, exact. Alors on continue notre périple, on s'enfonce dans la forêt. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que là les personnages, les collègues, on sait pas où ils sont. Hein. Non, bah, ça c'est normal, c'est dans tous les RPG, c'est plus facile d'avoir qu'un seul personnage que d'avoir une smala de people qui te suit et qui ne sert strictement à rien. Alors, toujours 1, les autres 27 et j'ai toujours pas... Dans le panier, toujours rien non plus. On va voir. Ça m'étonnerait que ce soit rajouté comme ça. Hein. Non, y a rien. Ça c'est dans l'équipement, mais on n'a rien du tout. Peut-être qu'il faudra faire des échanges avec... peut-être qu'il faudra faire un échange à un moment donné. Summoning Star... Alors qu'est-ce qu'il dit le Summoning Star? C'est juste... voilà... Ok, rien. Ouais, donc c'est ça c'est pour récupérer de la... ça aussi. C'est pendant les phases de jeu. Il faut lancer ces attaques là, d'accord. Dans les phases de jeu. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Okay. Dans les phases de combat, devrais-je dire. Exact. Alors, où il y a un ennemi? Là, maintenant que je sais ça, j'ai envie de fighter un petit coup. Quoi. Alors, je pense qu'il faut descendre, il faut continuer à descendre. Mais justement, qu'est-ce que c'est que ce symbole là? Ok, on sait que c'est l'arbre. Donc peut-être que vous pouvez rentrer dans l'arbre, hein, de l'autre côté. J'ai essayé, mais rien. Ça reste quand même passablement bloqué, le chemin assez linéaire. Donc c'est l'arbre de la lanterne. Ouais. Lantern tree. Donc on reste cloisonné vraiment sur le chemin. On peut pas trop se tromper, on va dire. C'est ça. Et puis en plus, il y a les indications. Donc là, voilà, il y a Il y a un ennemi. Il faut juste que je me rappelle maintenant quel sortilège je dois utiliser pour récupérer de l'énergie. C'était ici que j'avais vu. Ah non, pardon. Dans la phase de combat, vous appuierez sur moins et vous obtiendrez vos... Pas sur moins, il faudra que j'appuie sur X pour choisir les skills et lancer cette attaque-là. La Risa spéciale. Ok, let's go. C'est parti. On se fait ce combat.
Là, ça commence à devenir sérieux, hein, j'ai l'impression. Commence à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ça ne rigole plus. Un nouveau perso, peut-être, qui va rejoindre l'équipe. Ouah, un monstre. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ce serait bien d'allumer des bougies. Hein. Allumons une bougie. Exactement. Allez, allons-y. Voilà. Ah, ça c'est une belle bougie que vous avez allumée. Mm-hmm. Oh, c'est un combat, il faut... J'ai accéléré un peu, votre côté compulsif m'a touché. Je vous ai contaminé. Exact. Ah là, tout le monde a de l'énergie. Donc, d'accord. Donc voilà, si maintenant vous appuyez sur le X pour avoir les skills. Donc là, si je fais. Ah, c'est le Summoning. Le Summoning Star, exactement. Mais, ça m'a pas rapporté d'énergie. Donc le Risa spécial, c'est une autre attaque, à mon avis. Donc il faut que je trouve comment. On va trouver. Ça me fait vraiment penser à du Final Fantasy Tactique, en tout cas au niveau du caractère design. Mmh. J'apprécie. C'est vrai que tout à l'heure vous m'avez dit que bon, Final Fantasy c'était des genres de jeux que vous avez découverts grâce justement aux jeux en import à l'époque et que ça vous a énormément passionné à l'époque. Et que même si vous pensiez, si vous parliez pas japonais, vous arriviez toujours à vous en sortir hein, dans l'histoire. C'est bien presque tous, presque. En tout cas, les Final Fantasy, la plupart du temps, oui. Celui où j'ai vraiment eu beaucoup de peine en le faisant qu'en japonais, c'était Dragon Quest V. Mmh. Parce qu'à un moment, on devait se balader dans toute la carte. L'énorme carte pour l'époque et Internet n'était pas ce qu'est Internet maintenant. Ah ouais, bon ouais, effectivement. Donc pour trouver la solution, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que maintenant. Et aussi, ce que vous me disiez, c'est que finalement, si Nintendo n'avait pas perdu les licences à une époque, hein, donc de Final Fantasy au profit de PlayStation, oui, mais ça, peut-être que ça aurait changé la donne. Hein. Ça aurait pu changer la donne. Quand on voit le succès de Final Fantasy VII, qui à la base devait sortir sur la 64, mais le problème de la 64, c'est qu'elle a mis énormément de temps à sortir entre la sortie de la PlayStation et la sortie officielle de la console. Il s'est passé énormément de temps. Le nombre d'années exactes, je pourrais pas vous le dire, mais dans le monde du jeu vidéo, ça a été fatal à Nintendo. Parce qu'ils pensaient être dominants. Bon, la Super Nintendo en 92 et la 64 en 98, si je me trompe pas. Bah c'est vrai qu'il y a eu minimum, là les dates, hein, je les dis de tête, hein, mais il y a eu au minimum 6 ans. Et c'est vrai que ça a peut-être fait du mal. Donc là on y va, on redescend. Bah ça a fait du mal parce que justement à l'époque Squaresoft voulait sortir Final Fantasy sur la 64, mais vu que cette console n'arrivait pas, bah ils se sont repliés sur une console CD, ce qui leur a permis de faire de la 3D. Et ce qui a permis à l'époque à PlayStation de faire un énorme succès planétaire. Ouais. Alors, elle s'appelle Rosaline. C'est plutôt une introduction abrupte, mais j'espère que ça va être ok pour l'heure. Donc, mon nom est Claudia Valence et je suis venu ici avec mon père. C'est un marchand ambulant. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est le marchand que l'on recherche, hein. Claudia Valence. Donc, c'est peut-être son père à elle qu'on recherche. Hein. Va-t-elle nous mener vers son père? Ah, que dit que. Mais c'est le. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est censé venir dans notre village aujourd'hui? Exactement, le fameux.
Eh oui, c'est bien lui dont on parle. Exactement, très bonne mémoire, mon cher ami Licrane. Au passage, qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de transporter? Ça m'a l'air très important. Bon, eh bien, est-ce un instrument? Ah non, c'était une baguette magique, hein. Je ne sais pas. Ça peut être beaucoup de choses. On peut avoir une imagination débordante. Débordante, ah ouais, là c'est totalement débordant, effectivement. Bon, vous n'avez pas besoin de le dire si vous ne voulez pas. Land can be pretty. Il peut être un peu ouais, bourrin, on va voilà, dire. Voilà, bourrin, c'est le terme. Disons-le. Ah, ouais. Ah, regardez en haut. Donc voilà, un dernier ennemi qu'on va se faire, et ensuite on va conclure cette phase de jeu ici en direct. On continue pas. Ah bah, on peut pas aller de toute façon plus loin que chapitre 3, donc je sais pas du tout en plus à quel chapitre on est. Ah, je suis déjà mort, d'accord. Déjà mort aussi, alors autant dire que c'est un véritable carnage. Carnage, ah, c'est le carnage. C'est totalement le tout carnage. Tout le monde, voilà. Mais c'est pas grave, puisqu'on peut refaire. Oui, oui, ou... On va refaire. Il semble que non, il semble que... Non, on était obligé de s'en prendre plein la figure, pour être très poli. Nos attaques sont inutiles. On doit, voilà, effectivement, ils vont devoir battre retraite, ils vont devoir s'enfuir. Les lâches. Bah, on disait qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Mais j'ai l'impression que c'était obligé hein, que ça se passe. Ainsi. Exact, c'était obligé. C'était obligé. Hein. Alors attention, le voilà. Alors, vous allez le distraire et nous on va sneaker. Et vous allez passer par là-bas. Ah ouais, je vais le distraire, les gars, trouver la sortie là-bas. On peut pas faire ça. Mais pourquoi? Mais parce que... C'est elle vrai. A... Point d'interrogation, point d'interrogation, c'est vrai. Avec notre niveau d'habileté et de ouais. Notre niveau de... Avec votre niveau, en avec fait... Niveau, vous pouvez faire vous pouvez faire ce que vous voulez. On est gentiment en train de nous dire que on est des nuls. Version très très polie. Tout le monde, fermez vos yeux. Mais qui es-tu? Who the heck are you? Oui. Je l'ai traduit de manière gentille. Voilà. Qui diable êtes-vous? Allez, c'est parti. Encore un nouveau combat maintenant, j'imagine, avec cet ennemi. Mais je pense que l'ennemi, là, c'est un steak. C'est le barbecue, il est cuit. Ah. Ouh. Ce monstre, c'était juste... Comment avez-vous détruit ce monstre en un seul coup, avec un seul coup? Si fort? Si tu considères qu'il est fort, je suis surprise que tu aies survécu aussi longtemps. Dans tous les cas, quel était ce gros bruit que nous avons entendu? C'est vous qui avez fait cela? C'est le pouvoir de l'alchimie. Et c'est plutôt simple comme exemple. L'alchimie. On ne devrait pas dépenser notre temps, perdre notre temps pour parler avec eux. Ample, il s'appelle donc Ample. On a trouvé notre cible. On va retourner maintenant au port. Bien sûr, Lila. On peut parler plus longtemps. Mais pour le moment, on doit juste retourner dans la forêt. On doit juste sortir de cette forêt. Ok, je pense qu'ils vont dans la même direction que nous. On doit aller au port également. L'alchimie, je n'ai jamais vu quelque chose de si magique. C'est juste aussi excitant que je le pensais au début de notre aventure. Je me demande ce que c'était. Et nous aussi, on se demande ce que c'était. En tout cas, cher Buffacloud, on va faire un petit point sur ce jeu. Atelier Raiza, Ever Darkness and the Secret Hideout. On a vu qu'il y aurait même une petite partie magie avec donc l'alchimie.
Et voilà, donc on est au début de ce jeu, on l'a testé un petit peu. Donc ce JRPG qui sort le 1er novembre, un petit bilan. Est-ce que vous avez envie de faire un petit topo sur ce jeu, cher Buffa Claude? Bah, j'ai toujours pas compris comment redonner de l'énergie à mes personnages. Mais c'est peut-être voulu, comme on le disait. Effectivement, c'est peut-être voulu pour que il y ait certaines cinématiques qui puissent se passer, que les autres protagonistes puissent arriver. Puisque si on n'avait pas perdu, bah, les autres protagonistes ne seraient pas venus à notre rescousse. Donc c'est peut-être normal dans cette partie du jeu. Oui, dans cette partie du jeu. Mais je disais avant, lors des premiers combats, je n'ai pas réussi à redonner de l'énergie à mes persos. Bon, peut-être est-ce dû à la raclette que nous avons mangée juste avant. Et oui, parce qu'on ne vous le cache pas, nous sommes Suisses. On mange la raclette et on se fait plaisir. Ah bah oui, hein. Exactement. Et oui, soirée raclette et RPG, ça fait soirée raclette PG, donc et bah tout va bien. En tout cas, Buffa Claude, encore un dernier mot peut-être concernant ce jeu. Alors franchement, graphiquement très agréable. Niveau de la maniabilité, rien à redire, c'est dans la norme, on va dire. Pas quelque chose d'incroyable, mais c'est fluide en tout cas. Hein. Exactement, ça se prend bien en main. Ensuite, niveau des phases de combat, c'est intéressant, mais il faudra voir sur le long terme, quand on aura plus de skills, plus d'attaques et justement toute l'évolution qu'il y aura par la suite par rapport à justement aux magies qui vont évoluer et ce genre de choses. Me suis-je bien fait comprendre? Ça a été dur, je pense, parce que même pour moi, ça a été très dur d'en finir avec ça. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette vidéo, cher Buffa Claude. Merci beaucoup. Ça sort Atelier Ryza le 1er novembre, vous l'avez vu en exclusivité aujourd'hui sur la chaîne, donc je vous remercie d'avoir été avec nous. Et cher Buffa Claude, vous savez ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire pour qui? Pour quel camp? Pour vous? C'est la fin de la vidéo, donc à la fin de la vidéo, qu'est-ce qui se passe-t-il? On se quitte avec le... Avec le générique. Le générique, absolument. Le générique. Ciao les amis. Ciao. Hello, it's me, Super Mario, with some big run. Mamma mia, he's number one.